Que ça vous plaise ou pas, il existe des menaces invisibles. Chaque menace, sa réponse. Le commissaire Tremblard et le chasseur. Espérons que nous n'aurons pas à le regretter. Garigou, t'es de quelle origine, toi ? Bah, je suis de Lyon. Lyon ? C'est pas une origine, ça ? Bah, c'est quoi, alors ? Je suis né à Lyon, mes parents aussi. Ouais, d'accord, mais vous êtes de quelle origine, tes parents et toi ? C'est lui. La grenaille, de Lyon ! De Lyon, putain ! Police, arrêtez-vous ! De Lyon. Lyon, t'entends ? Mais arrête tes conneries. Tu dis la région lyonnaise à la rigueur, si tu veux, mais tu dis pas Lyon. C'est trop petit, Lyon, comme origine. Arrête, c'est super grand comme ville, Lyon. Comme ville, ouais. Mais comme origine, c'est tout rikiki. Je suis né à Lyon, point barre. Ma grand-mère, elle était de Suisse. Ah ! Ben voilà, tu vois quand tu veux. Ah ouais, je comprends. Et toi ? Toulouse. Il est super mal, le gars. Mais c'est normal, tu l'as tasé deux fois. Tu m'étonnes. La première fois, ok, c'est moi. J'avoue. Mais j'ai fait ça bien, en légitime défense. Alors je t'explique. La légitime défense, c'est quand on est menacé. Ah ouais, mais si ça change tout le temps aussi. Parfait état, ce taser. Maintenant, il faut pas s'en servir toutes les 5 minutes. Pourquoi ça l'habille ? Non. Mais c'est le mec que ça abîme. Dégagez de mon labo. J'ai autre chose à foutre que de vérifier du matériel neuf. Et vous emmenez vos poubelles avec vous. Alors c'est sûr. Ça vient pas du taser. Barrez-vous les deux. Dis merci, on s'en va. Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Il n'aime pas la couleur du mur, apparemment. Vous pensez que c'est un effet secondaire du taser ? Dégagez, bande de nuls. Allez, tu te lèves, toi. On y va. T'as entendu, mon collègue ? Putain, vous allez vous barrer, oui ? Là, c'est pas moi. Non, parce qu'il est vachement sensible quand on appuie. Tu vas aller te reposer. Brigadier Garigou, écoutez-moi bien. Je suis physicien, nucléaire, chimiste, docteur en génétique. Mais je peux rien pour vous, moi. Rien. Ce qu'il vous faut, c'est un psychiatre. Docteur Josiane Plomb. Vous allez l'avoir de ma part. Vous dites que vous travaillez ici, elle a l'habitude. Non, vous ne me répondez pas. Hein ? Et puis, vous décarrez de mon labo. Parce que sinon, je vous sors. J'ai été videur dans mes études. Thank you.
Oui. Oui. Mais excusez-moi, je vous rappelle. Ça veut dire que c'est le dernier ? Désolé, pas le choix, Katzmann. Évidemment, le professeur Katzmann. Vous faites partie de l'équipe du commissaire Jules Tremblard, je suppose. Vous venez passer l'examen d'entrée au service des enquêtes parallèles ? Katzmann a dit que vous pourriez faire quelque chose pour lui. Je suis psychiatre. Ici, c'est un cabinet, pas une salle de réveil. Katzmann me dit de vous l'amener, je vous l'amène. Pour faire parler mes patients, j'ai besoin qu'ils soient un minimum conscients. Je ne peux rien pour vous, désolé. Quelle puissance. Oh, tu sais que je t'aime, toi. Arrête de parler à ton taser comme à une personne. T'as l'air débile quand tu fais ça. Je ne suis pas certaine qu'il parle à son taser. Ah si, si. À part moi, il n'y a jamais personne d'autre. Justement. Bah ouais, justement. Et depuis combien de temps cela dure ? Quelque temps après être rentré dans la police, je crois. Un soir, je suis allé au vestiaire pour prendre ma douche. Et je l'ai vu là, sur un banc, seul, abandonné. C'était à ce moment-là que j'ai craqué. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, c'est qu'il est si puissant et pourtant si fragile. Quand je suis avec lui, je me sens en sécurité. J'ai aussi besoin de le protéger. Oui. Je vois. Pulsion qui s'oppose à une autre pulsion. Ce conflit dynamique s'insère dans votre métapsychologie. Méta quoi ? Demandez-vous si vos sentiments sont vraiment pour ce tasse. Ben oui, oui. Sinon, pourquoi d'autre ? Quoi ? Pour qui ? À vous de percer le secret qui est en vous, Brigadier Garrigou. Ah, justement, parlons de secret. Ma mère me cache souvent des choses, vous savez. Elle me dit, et puis en fait, c'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai passé le concours pour entrer dans la police. Parce que moi, ce que j'aime, c'est la vérité. Alors la police. C'est très bien. Vous prendrez rendez-vous. Et nous en reparlerons lors d'une prochaine séance. Vous me direz d'ailleurs quelle place occupe votre père dans le duo parental. Là, je dois voir un autre patient. Mon père, je sais pas vraiment qui c'est. Mais si ça se trouve, c'est Jean-Paul Belmondo. Ma mère a eu une aventure avec lui. Quand j'avais 2 ans. Impossible, mais vous ne pouvez pas être le fils de Jean-Paul Belmondo. Mais elle m'a encore menti, c'est ça ? C'est ça ? Non, simplement à cette époque, vous étiez déjà né. Non ? Si, réfléchissez-y et nous en rediscuterons lors d'une prochaine séance. Oh ! Et vous oubliez vos affaires. Allez. Oui. Docteur Plomb, j'ai au téléphone un autre patient pour l'examen du CEP, mais je comprends rien à ce qu'il raconte. Il grogne. Mais ils sont tous tarés dans cette équipe. Thank you.
Thank you.